Ici, la journée, l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Soyez fort dans l'épreuve et prenez courage. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ne lâche pas, persévère. Prie et laisse Dieu faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne sois plus prisonnier de ton passé. Fais confiance à Dieu, car il est l'architecte de ton futur. Si tu vis un moment difficile, ne blâme pas la vie. Tu es juste en train de le devenir plus fort. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cessez de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Faites pour les autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a plus à donner qu'à recevoir. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.